Une anecdote sur Leonard Cohen qui allait dans un temple bouddhiste à Côte-Saint-Paul que des gens ne savent pas. Mais okay. Il était allé là pendant des années, c'est la rue Church. Dans le temps, on appelait ça la rue Church. Il y a un club de danseuses. Face au club de danseuses, le bar des adultes. C'est un endroit que j'allais régulièrement, j'alternais entre les deux. Moi, j'ai une dialectique très ambivalente. Oui. Je me stationnais un soir. Puis j'ai dit, je m'en vais au temple bouddhiste. Il y avait le lama Rinpoche qui était là, puis il fait des affaires de légende. C'était super intéressant, ses contes. J'arrive, je me stationne. Oui. Et puis, je m'en vais au bord des adultes, à place. Du bord des adultes. Puis une fois, j'ai fait le contraire. Je m'en allais au bord des adultes, mm-hmm. et je suis allé à cette place-là. Ben voyons donc. Puis il parlait, il y avait une gang qui parlait de Leonard Cohen. Il venait d'arriver de là. Intéressant, que Tabra connaît très bien, d'ailleurs. Mais le lendemain... Oui. Après le passage de M. Cohen, quand j'étais dans ce temple-là, sur Harry Church, le temple bouddhiste, le club l'autre bord, il a sauté. Il y a un gars qui s'était fait tirer. Oh, dans ce tu vois que des fois, c'est bien choisir le bien. En fait, le stage, à cet endroit-là, il y avait plein de monde qui s'assoyait autour du stage, des filles dansaient. La coke était cachée là, des rock machines, en dessous du stage. Intéressant. Imagine-toi, à tes pieds, puis il y avait juste une petite patente. Mais il y avait un gars tout le temps à la porte en avant. Mais si j'avais su, j'aurais essayé d'aller, tu sais, avec ses 40 000 piastres, c'est un bloc de coke. C'est un méchant coin, ça. Moi, c'est le coin de mon enfant. C'était l'anecdote sur Leonard. Radio Centre-Ville. Un corbeau encadré. J'ai encadré un corbeau ce matin. Je l'ai capturé avec son petit nuage. Il a demandé d'être cloué au mur, comme dans une toile de crucifixion de Dali. En tapant la tête du clou, le cadre à mes genoux, le corbeau a dit « Je t'apprendrai mon langage. » J'ai toujours été curieux du savoir des corbeaux. Je fais semblant de ne pas l'entendre, puis je l'accroche au mur. Il me lance avec fureur à la figure un grand battement d'ailes, quelques fientes injuriantes, et me dit « Tu n'es qu'un salaud de poète. » Mon pays, ce n'est pas un pays. Mon pays, c'est l'imaginaire de l'esprit. Voici le conte de la sourde épopée, celle qui découvre une différente tranche de vie et de réalité. On raconte que Leonard Cohen, assis dans le temple bouddhiste de la lucidité situé sur la rue Church à Côte-Saint-Paul, était assis en position lotus et méditait les propos que débitait en oracle légendaire un sage lama méditant de la royale lignée des Rinpoché. La cloche tibétaine sonnait la teinte de ses phases samsariques, et le samouraï guerrier qui siégeait dans les synapses de l'intériorité entre les neurones du poète se lubrifiait d'incandescence. D'une longue, lente et pure poésie belliqueuse de feu. Des mots
comme une luminothérapie de délire. La poésie jaillissait du lobe néocortex frontalier de Léonard dans un mouvement de kundalini reptilien. Un geyser de ressources inouïes venu des confins de la montagne sacrée. Mais la difficulté d'ordre mental survint au moment où le samouraï voulut faire intervenir la variable X dans la découverte psychique de Leonard Cohen. L'aphorisme du Siddhartha stipule que le méditant deviendra stable, fils du stable, né dans le territoire de la stabilité. Le bardo Todol l'affirme solennellement et concrètement, en dépit de toute forme d'abstraction. Mais le samouraï obstiné a voulu obtenir le secret de la formule que l'on retrouve au pied du Siddhartha d'émeraude. Cette formule a la faculté magique de transformer le jade en particules d'étoiles. Cette obsession dans la tête du samouraï, au fond de la tête de Cohen, obstrua le flot d'informations dans la tête du samouraï avide. À vaincre sans modestie, on médite une foire sur les genoux calleux de notre déboire. Puis soudain, c'est la fin d'une belle histoire de douce vérité. La tête du samouraï en vint à sombrer dans le vaste sillon de l'humeur dépressive de la sourde déchéance. Celle qui dépose un voile sur la conscience des âmes trop gourmandes de connaissances. Voilà ce qui arrive à l'être chercheur quand il jette un sac de billes géométriques dans le carré de sable de sa tête d'autruche prise dans le sol et le sable. La théorie des énigmes de l'ombre peut jouer des tours à bien des poètes qui abusent des formules. T'assassine la rime. Tu es coupable d'une lèse majesté de crime en jouant du sabre au-dessus du pont de l'abîme. La poésie est un sport extrême d'escrime. Il faut la garder en haute estime quand elle a le cœur de jade qui s'exprime. Leonard Cohen revint à lui avec une mandoline dans les mains, un refrain de vent dans les oreilles du temps, puis le zeitgeist, l'esprit du temps, s'occupa lui-même de la formule et des fractales. Eurydice se retira dans l'ombre, et depuis ce jour, l'énigme d'Orphée interfère avec le cœur de tous les poètes samouraïs. Mon pays, ce n'est pas un pays, mais l'imaginaire de l'esprit.